Layer of Fear vous propose une expérience unique et immersive dans laquelle tous vos choix influent sur le déroulement de l'histoire. Comme dans la vraie vie, chaque porte ouverte, chaque souvenir retrouvé, les moindres peurs que vous explorez définissent qui vous êtes. C'est notre jeu, mais c'est avant tout votre aventure. Vous avez 4 heures. Salut tout le monde, c'est Jolat, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le nouveau DLC de Layer of Fear, Inheritance, qui est sorti il y a tout juste quelques jours. J'avais fait le premier il y a de ça un bout de temps, je l'avais fait en live, et franchement j'avais bien aimé, il était bien cool. Donc Layer of Fear, pour les personnes qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu d'horreur dans lequel on incarnait un peintre qui n'avait plus toute sa tête, qui était à moitié alcoolique, et qui voulait à tout prix finir son œuvre. Donc cette fois-ci dans ce DLC on va incarner la fille du peintre. Donc si vous n'avez pas vu la première partie, pas de panique, c'est une toute nouvelle histoire, donc c'est plutôt cool. Si ça vous plaît, bah vous pouvez mettre un petit pouce bleu pourquoi pas la partager, ça me ferait plaisir. Allez, c'est parti. When I was a child, I used to lay in bed late at night, staring at the ceiling, listening to my father scream. Scream at my mother, scream at yet another failed masterpiece. D'accord, en fait, elle hurle après tout. Finally, le monde. Just scream out into the darkness. It became my lullaby. And even when they took me away, the screams followed. I was once told that insanity runs in my family. It's time to make it stop. D'accord, qu'est-ce qui se passe? Elle est à moitié folle, elle aussi? D'accord. Sickness, insanity and death... Ok, ça marche. Appuyez sur F pour allumer la lampe de poche. Ouh, c'est bien noir par ici. Mais dites-moi, je reconnais ce petit hall d'entrée? Ouais, je le reconnais bien. C'était le même que dans le premier? Bah, j'imagine que de toute façon, c'est la même maison. Oui, c'est la même maison, sauf que c'est bien le bordel, mon vieux. Ouais. Oh, putain. Oh, le délire. Il y a déjà des violons, j'aime pas ça. Je déteste quand il y a des violons. Je tiens à préciser que j'ai le casque relativement fort sur mes oreilles. Comment que ça craque, mon vieux? C'est un truc de malade. Oh lolo. Bah écoutez, ah oui, on peut faire des petits zooms et tout comme ça. Excellent, quoi. Bah vas-y, ouvre-toi, hein. C'est quoi ça? Un pot de peinture. Intéressant. Ça, vas-y. On va fermer ça bien gentiment. Écoutez, on va se casser de là. Voilà, comment que c'est glauque. J'ai l'impression... Non! J'irai plus tard, mon vieux. Vraiment, si je suis obligé, j'irai par là. Mais pour l'instant, ça me dit rien. Voilà. Comment que c'est glauque, mon vieux? J'ai l'impression que c'est encore plus glauque que le premier. On va aller dans ce placard. Ça a l'air plutôt safe là-dedans. Qu'est-ce que vous en pensez? This place is a mess. Putain! I can hear you in there. I'm coming, you furry little bastards. You're not on getting away this time. What the hell are you doing in there? Get out! Wow, comment qu'en fait elle est... En fait, elle est folle, mon vieux. D'accord. D'accord. Attendez. Il y a une tapette à souris, ça marche. Bon, bah très bien, on va se casser de là. Ouh, un petit dessin. Avec des tapettes à souris partout. Oh, un rat mort, qu'est-ce que c'est glauque. Nature morte, bah ouais, tu m'étonnes. On se casse de là, on se casse de là. On va plutôt aller par là. En tout cas, il est bien fait, c'est un truc de fou. Bon, en même temps, il est bien fait comme le premier. Ah ouais, la cuisine, je m'en souviens. Oh, it reeks in here. Comment qu'elle m'a foutu les boules quand elle a parlé, elle. C'est un truc de fou. Y'a rien là-dedans. Comment qu'il claque les portes, mon vieux, là-dedans? I swear, that dog doesn't shut up. Je te jure, si ce chien ne la ferme pas... Le bâtard! Désolé, excusez-moi. Comment qu'il m'a foutu les boules? Comment qu'il m'a foutu les boules? Oui, je vous ai pas dit, mais on risque d'avoir peur un petit peu dans ce jeu. Un peu quand même, je pense. Comment qu'ils sont glauques les dessins, mon vieux. Et moi, mon gamin, il fait des dessins comme ça, je l'envoie chez le psy direct. On se casse de là, mon vieux. Je pense qu'on va monter là-haut.
Je sais pas ce que vous en pensez. Ça a l'air d'être relativement glauque. T'as puis cette musique de violon là qui me stresse. Ils sont bien choisis les sons. Ok, on va avancer tranquillement. On va aller voir par là, qu'est-ce qui se passe. Voilà. Ah ouais, en fait, je pense qu'elle a des souvenirs quand elle était petite. Parce que c'est vrai que là, on a une petite taille quand même. Il y a une grande porte là, il y a... En fait, c'est pas des grandes portes. C'est parce qu'on est petit, tout simplement. On va aller par là. On n'a pas de torche là. Ok, vas-y. Fermé. Ok, demi-tour. Fermé. On est dans la merde. Fais péter un truc à ouvrir là. Fais quelque chose là. Non? Y'a pas un truc qui marche derrière la porte? J'ai entendu un truc qui marchait derrière la porte. On va y aller tranquille. Putain, comment que je suis concentré quand je joue à ces jeux là? Moi, c'est un truc de dingue. Hey, oh, come on, don't be afraid. Ah ouais? Bite. Here, try for yourself. Ah ouais? Ok. Qu'est-ce qui se passe là-dedans alors? Des notes de musique, intéressant. Écoutez, je pense qu'on va aller là. C'est fermé. Je crois qu'en fait, on vient de là. Putain, je suis complètement perdu. Oh, regardez, on peut faire du piano. Non, non, that's not quite right. Ah! Ah! Et d'accord, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Ok, ça marche, pourquoi pas. Huh, still not quite there. Whoever's pounding on that piano, quit it! On va essayer. Did I not make myself clear? Ça va, c'est rien. C'est rien. C'est que moi. You know what? I have an idea. Go get your crayons. Tu sais quoi, j'ai une idée, va chercher tes crayons. Ah ouais? Et ils sont où mes crayons? Attends, je vais refaire un petit coup de piano pour le faire chier. Wouh! Putain, il m'a fait peur l'ombre. Ah! Yes! Mes crayons. Et je fais quoi maintenant avec mes crayons? Ah! Carré, rond, cœur, carré. Ah ouais? Ah d'accord! Ok! Alors attends. Carré, rond, cœur, carré, rond. Ah, oh, t'as vu, je deviens doué, t'inquiète, regarde. Triangle, étoile, triangle, rond et croix. That's actually not bad. En fait, ce n'est pas si mauvais. Look at you, young lady. Ben oui. It looks like talent runs in the family. On dirait que le talent est inné dans la famille, tu m'étonnes. C'est quoi ça? Y'a quoi là-dedans? Y'a rien. Ok, on referme. Y'a rien du tout. On se casse de là. Je peux y aller ou comment ça se passe? On se casse de là. Oh, comment que les couloirs, ils ont l'air longs. Y'a un truc qui va me sauter dessus. Ah! Putain! Wouh! Je m'en doutais. Je sais pas pourquoi. Ok. On se casse de là. Oh là 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 là. Vas-y, 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 on se casse. Oh putain, des vieux fauteuils et tout comme ça là. Comment que ça me fait bader moi? C'est un truc de malade. Wow, comment c'est glauque par ici. Une porte là-bas et une porte derrière. On va essayer celle-là d'abord. On va voir si l'autre est ouvert. Alors, c'est ouvert? Oh, celle-là aussi est ouvert. J'ai l'impression que c'est la même pièce. Attends, peut-être que je psychote. Va savoir. Eh non, c'est la même pièce. Des deux côtés. Comment qu'elle m'a fait bader la gamine qui a couru, là? Je vais passer par là. Ah, c'est fermé. Ah non, c'est ouvert. Oh là là, les longs couloirs, comment que j'aime pas ça? Wouh! Dégage, toi! Putain! Oh, comment qu'il m'a fait bader le gamin, là? C'est quoi, ça? Je n'y arriverai pas sans toi. Ah ouais? C'est quoi, ce délire? Vas-y. On va avancer tranquille. Dégage! Ok, d'accord. Il y a une espèce d'incendie tout en peinture, mon vieux. C'est un truc de malade. C'est bon? C'est fini? Ah non. Il veut me faire la blague du petit cheval en bois qui se balance. On la connaît tous, la blague du cheval en bois qui se balance. On sait très bien comment qu'elle finit. Tiens!
Tu l'avais dit, mon vieux. Voilà. C'est pas... C'est pas trop à ça que je pensais, mais... Disons que c'est un peu dans le même genre, quoi, tu vois. Vas-y, on va ouvrir ça. On le sait tous à chaque fois, quand il y a un cheval qui se balance comme ça, là, c'est mauvais présage, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Vas-y, on va y aller tranquille. Comment que je suis pas rassuré quand je joue à ce jeu? C'est dingue. C'est un truc de malade. Comment que je vois rien? Attends, c'est où? Ah! Tiens. Étrange. Un train. En ai-je pas croisé un il y a 2 minutes? Il me semble que si, hein. D'accord. Et je fais quoi, moi? Ah. Intéressant. Très intéressant. J'avais pas vu qu'il y avait une porte derrière, voyez-vous. On va aller voir ça tout de suite. Très bien. Continuons dans cette direction. D'accord, un escalier qui monte. Une tête bizarre. Un globe bizarre. Vas-y, on va le faire tourner à fond, mon vieux. Je suis sûr que ça fait rien, c'est que de la décoration, en fait. Là, l'Australie. Oh non, pas encore. On y a déjà été 2 fois. Eh ben, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Vous connaissez pas cette pub? Ce délire, mon vieux. Écoutez, on a le choix. Soit on peut aller dans l'escalier qui descend, soit on peut aller dans celui qui monte. On va aller dans celui qui descend. Vas-y, pourquoi pas. Écoute, après tout, de toute façon, à mon avis, il va falloir aller dans les deux. Ouh, putain. On va descendre un peu plus vite. Ah. Se foutrait-on de ma gueule, des fois? Voyez ce que je veux dire? Et là, si je monte, tu parais combien que je vais redescendre? Enfin, je vais remonter au... Là-bas, là. Oh, il est tranquille. Regarde. Regarde où est-ce que je monte. Eh bah ouais. Eh bah ouais. C'est la même pièce. C'est la même pièce. Elle est pas bancale, cette chaise. Regardez, elle est pas comme les autres. Ouais, si, en fait, j'ai l'impression qu'elles sont toutes bancales, les chaises. Vas-y, on va tenter de descendre. J'ai l'impression que quand je passe ici, il y a un truc qui se passe. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc qui se passe. Je sais pas quoi, mais il y a un truc qui se passe. Regardez ça. Ah. Ouh, tiens. Je l'ai pas vu, ça, tout à l'heure. Attends. Ah bah, je l'avais pas vu, ça, non plus. Ah. Intéressant. Attendez, ça se trouve, faut faire des tours comme ça, hein. Faut descendre tout le temps et puis peut-être qu'il va se passer un nouveau truc à chaque fois qu'on va descendre. Allez savoir. J'en sais rien. Je teste. Oh, regardez. Regardez, c'est plus la même pièce. Ah si. Ah si, c'est la même pièce. C'est la même pièce, mais j'ai l'impression que c'est pas pareil. Ah non, ça a changé. Effectivement, ça a changé. Regardez le globe. Saloperie, va. Elle est où, la balle? Elle est là. Donne-moi ça. Putain, je peux pas la ramasser. Oh. C'est quoi, ça? Intéressant, d'accord. D'accord, j'ai compris. Il me reste une faille à trouver. Ouh. C'est quoi, ça? D'accord. Il me reste une faille à trouver. Écoutez, on va refaire un tour. On refait un petit tour, tranquillement. Vas-y, refais péter un tour d'escalier tranquillement, gentiment, calmement. Sans se presser. Pas besoin de courir. Regardez, j'ai l'impression que plus on descend, plus... Plus c'est la merde, mon vieux, non? Oh! Regardez! Oh! Oh, c'est le délire! Putain, je devrais arrêter de jouer avec le casque à fond, moi. C'est pas bon. Ah! Il a disparu, c'était ce bout de papier, sûrement, il fallait que je ramasse. Eh bah, écoutez, on va refaire un tour, hein, tranquillement. Ah! Ah! Ah, 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 ah! Bah! Ah, bah, j'éteins le feu, mon vieux. Ah bah regarde donc, c'est ça qu'il me faut. Vas-y, fais péter. Et bah voilà. C'est bon, écoutez, on va refaire un tour. Ah, regardez voir. Il n'y avait pas de porte tout à l'heure. Eh non. Et cette fois-ci, il y a une porte.
Intéressant, intéressant tout ça. Mais dites-moi, c'est une enquête pour Jolat DX? Regardez l'ombre! Regardez! Il y a une ombre de malade! C'est quoi ça? Vous avez vu? Regardez l'ombre! Elle vient d'où cette ombre, mon vieux? Attendez, je vais ouvrir, ça va me péter à la gueule ça. Ah, c'est bizarre. Bon, bah écoutez, c'est peut-être pas par là. Hein. Vas-y, vas-y, je me casse de là, mon vieux. Y a rien à faire là-dedans, là. Je sais pas ce qui se passe. Y a un truc qui va me sauter à la gueule tout à l'heure. Ça va mettre 2 secondes. Je vais faire péter une crise cardiaque, là. Et bah écoutez, on va tester par là. Hein. De toute façon, à mon avis, y a de grandes chances qu'il y ait une porte. Regardez ça, mon vieux. Ah, c'est là qu'on me balançait les trucs sur la gueule. Là, ici, on me balançait les trucs sur la gueule. Hein? Regardez-moi ça, mon vieux. Ce délire. La tête. Regardez, il y a une tête à moitié abîmée. Et... enfin, c'est un délire, quoi. Vas-y, fais péter. Oh. Il saigne, mon vieux, le machin. Comment qu'il saigne? Regardez ça. Je déteste le silence. Surtout dans les jeux d'horreur. Donne-moi ça. Voilà. C'est quoi ce délire? Oh. Eh bah mon vieux, alors. Eh bah c'est nickel ça. Dégage toi, alors. Dégage de là. Oh, qu'est-ce que c'est joli mon vieux. Eh ben mon vieux. What? C'est quoi ça? Dégage! Oh! Je contrôle plus rien. Je ne contrôle plus rien. Je vais boire un coup mon vieux. Il est pas très frais. Mais c'est bien quand même. C'est quoi par là? Vas-y. Fais péter. Vas-y, vas-y. On n'y a pas été dans cette pièce? Est-ce qu'on n'y a pas déjà été dans cette pièce? On va passer par ici. Comment que ça a l'air glauque? Vas-y, vas-y. Ça a l'air vachement glauque par ici. Oh, c'est quoi ce parcours du combattant? Oh, regardez-la, elle! Regardez-la, cette connasse, mon vieux! Regarde comment elle m'a fait flipper! Regardez-la, elle est là-bas! Il y a moyen que... voilà. Attends. Attends. Voilà. À mon avis, il faut passer par là. Ça. Voilà, on va pousser ça comme ça. Regardez-moi ça là. Regardez-la. J'ai tout ouvert mon vieux. Tout. Ah ouais, en fait c'est pour faire des escaliers, d'accord. Ok. Bah écoutez, on va monter. Ah. Oh. Est-ce qu'on peut tomber? Sûrement. J'ai pas envie d'essayer. J'ai pas envie d'essayer, voyez-vous. Ça. D'accord, on tire bien le tiroir. Oh, le parcours du combattant, quoi. Ok, une échelle. Dégage, toi, alors. Wouh. Wouh, putain. Oh, le délire, mon vieux. V'là cette aventure pour passer, quoi. D'accord, j'ai compris. J'ai compris, j'ai compris. On y va. On y va, tranquille. Wouh, donne-moi ça. Chérie, il faut sortir. Elle nous attend. She's waiting for us. Ouais, ouais, ouais. Don't make me do this by myself. No. I don't want her to see me like this. Tranquille, tranquille. I'm sorry. I just Je crois bien que la fille elle est aussi folle que le père en fait. Je crois que c'est ça. Vas-y, on va y aller tranquillement.
Pourquoi tu fais ça? Bah tu fais quoi? Mais j'ai rien fait. Il est malade. J'y arriverai pas sans toi. Waouh, regardez ça. Regardez ça ce que ça fait. Tranquillement. C'est quoi ça? Vas-y! Regardez, ça fait une ombre de loup-garou. Ça donne pas envie d'y aller. Mais j'y vais quand même. Ouais, j'y vais quand même. Oh, le truc de malade. Wouh! Regardez ça! Regardez-la, elle est derrière. Oh putain! Je peux pas bouger, je peux rien faire. Ah, c'est peut-être nous la petite fille là. Regardez-le lui. Bah il est malade lui. Ah, le chien il est pas gentil. Tu vois, déjà on sait que le chien il est pas gentil. Bon écoutez, c'est sur ce canapé confortable qu'on va s'arrêter ici pour la première partie de Layer of Fear. En tout cas, dites-moi si ça vous a plu et puis si c'est cool, on fera la deuxième partie. On va essayer de se détendre un petit peu parce que beaucoup d'émotions dans cette première partie. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, pourquoi pas la partager. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye.